nous est venue il y a à peu près un an quand on a travaillé avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Transavia. On avait plusieurs idées, on avait l'idée la plus incroyable qu'on leur a soufflée en fin de réunion. Et si on stickait un avion ensemble avec les photos des clients Transavia. Ce qui nous a plu avec Cheers, c'est d'abord les valeurs qu'on partage, parce que nous, on est une compagnie aérienne relativement jeune, on a 10 ans, on se veut disruptif, on se veut proche de nos clients, on fait le pari que dans le low cost, on peut faire du prix bas, mais aussi de la qualité de service. Les photos de vacances commencent souvent par le voyage, l'avion, et donc on s'est dit, bien, on va commencer déjà à inciter des participants à se prendre en photo au début de leur voyage. On a eu des prises de photos à l'aéroport, pour Transavia, on a eu des prises de photos aussi à l'intérieur des vols. Cheers imprime sur des supports assez originaux, donc on a fait différents formats de photos. Aujourd'hui, on imprime même sur des avions, s'il y a besoin. Transavia a toujours été connu pour innover en matière de campagne marketing, en matière d'innovation digitale. Et Cheers, pour moi, typiquement, c'est l'innovation, l'impression de photos à partir du mobile. Et donc, on se retrouve aussi sur ce terrain. On est très fort sur les médias sociaux. On est une compagnie aérienne digital native. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, on en attend surtout une belle visibilité et puis de la part des clients qui comprennent que nous, on mettra toujours leur expérience en avant. Cette idée du client au cœur de notre action, c'est pour nous très important chez Transavia. Le client, on l'aime et il nous le rend bien parce qu'il il nous reconsidère et il nous recommande. C'est vraiment un engagement de la part de la communauté Cheers, mais aussi de la communauté Transavia. On a eu pratiquement 3 millions de reach, on a eu 32 000 interactions entre les shares, les likes sur les médias sociaux. On a eu 1000 participants au jeu, donc c'est déjà en soi des très bons chiffres, on est très contents. On a quand même un média assez important chez Cheers, parce qu'on a plus d'un million de personnes en base mail, on a 300 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, 150 000 sur Instagram. Donc pour Cheers, aujourd'hui, c'est un petit peu l'histoire qui commence avec Transavia, puisque maintenant il y a un avion qui va être visible dans les aéroports et que les gens vont prendre. On a déjà l'avion qui est stické pour 10 mois, donc qui va voyager sur le réseau de Transavia, 82 destinations, donc c'est partout en Europe et sur le bassin méditerranéen. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Transavia, c'est de faire en sorte que nos clients prennent du plaisir à l'expérience Transavia. Et là, avec ce partenariat, je crois que tous les participants au concours se sont beaucoup amusés. Merci pour votre engagement. Continuez à faire vivre cette opération pendant 10 mois. Éclatez-vous, suivez l'avion. Essayez de le trouver, essayez de le prendre en photo partout où vous êtes en Europe. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci.